changé. Oui, bien changé. Tu as fait de moi. Dérange. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. D'y échapper. Normal, c'est mon père. Il te manque ? Non. Mon argent ? Elle l'a gagné. De toutes les façons, c'est pas moi qui suis dangereuse. Qu'est-ce que tu insinues ? Et toi, t'es choquée ? Oui, moi aussi, je suis choquée. Sauf que moi, ça n'a aucune importance, je suis pas ton père. Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous. Discuter sur Internet. Parler au téléphone, écouter les voix, imaginer des choses, et puis y aller, découvrir l'hôtel, ne pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. Un jeu dangereux? Non. Enfin, si, un peu. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais après, à la maison, ou au lycée, j'avais envie de recommencer. Avec un autre. Je ne voulais pas grand-chose, juste... me caresser. Me regarder. Sauf la dernière fois, il m'a demandé de me mettre sur lui. Et il est mort. Bon, ok, embrasse-moi. Et vous avez quel âge, vraiment ? 17 ans. 17. Et j'aimerais que vous m'accompagniez.